première, eu égard aux événements qui m'ont quelque peu occupé la semaine dernière, à cheval entre le Lardin et Condat-sur-Vézère, j'ai sollicité M. le Président de la communauté de communes pour rappeler et que bien avant cet événement qui nous a valu la une et les foudres de la presse, on vous avait sollicité il y a 2 mois, 3 mois pour un petit sondage sur une sensibilisation à la gestion des incivilités. Alors, en retour à cette demande, j'ai 6 mairies qui m'ont sollicité en disant qu'ils étaient candidats pour suivre cette formation qui durera 2 heures. Alors ça tombe bien parce qu'entre-temps, je ne savais pas que les GIGN devraient travailler chez moi. Ça y est, c'est chose faite. Tout ça pour vous dire qu'un certain nombre de dossiers ces dernières semaines, le caillassage de Terrasson, notre Indien du Lardin, et pour ne pas citer le monsieur qui a fait éruption chez un représentant du conseil municipal, alors c'est pas la même communauté de communes parce que c'était à Montignac, vous serez vous aussi demain de plus en plus confrontés à des concitoyens excédés, et on vous propose de suivre le 19 juin à partir de 9h, une formation de 2 heures. Alors le lieu n'est pas encore arrêté, mais vraisemblablement ça sera à Terrasson. J'ai 15 places dans cette formation qui sera pilotée par un militaire du GIGN. On vous expliquera comment gérer les cas un petit peu difficiles. Bien évidemment, en attendant que nous-mêmes on arrive sur place. Donc une formation qui vous est proposée le 19 juin de 9h à 11h à Terrasson. Le lieu, on vous le communiquera dès qu'il sera fixé. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, je voulais vous présenter l'adjudant-chef Solibo, qui sera le commandant de la brigade de Terrasson à partir du 1er août. Donc inutile de vous expliquer que, ben, comme moi je suis déjà parti, je lui ai déjà donné les clés de la boutique et il commence à me remplacer en absence définitive. Et enfin, je voulais profiter de l'occasion qui m'était donnée pour vous saluer l'ensemble des maires avec qui j'ai pu travailler pendant 4 ans, les conseillers départementaux, parce qu'on a passé un petit peu de temps ensemble, le président de la communauté de communes, parce qu'on a eu souvent l'occasion de se voir aussi. Donc je vous remercie pour le travail qu'on a pu effectuer ensemble. Pour ceux qui ne sont pas au courant, je n'ai pas recommandé la plus grosse unité de la Réunion à partir du 1er août. Je quitterai définitivement Terrasson le 22 juin et le camion est déjà en cours d'avancée. Merci à tous et puis bonne soirée. Oui, merci. Qu'est-ce que vous applaudissez à son départ ?